une autre coyote de spotter. On a manqué le premier. On s'enligne sur le deuxième. Il est couché en vol dans le champ. On va essayer de s'approcher. Good job. On vient d'en faire un au spot and stalk. Paul, il l'a spoté couché dans le champ il y a au-dessus d'une heure, puis il avait pas le temps d'y aller. Fait qu'il nous a donné les coordonnées, on est allé demander la permission. On a avancé dessus. Au début, il était à 500 mètres du bord du chemin. On s'est avancé dessus, puis là, on l'a avancé jusqu'à 170 mètres environ. L'effet d'optique fait qu'on a l'air proche du village en arrière, mais le village est au-dessus d'un kilomètre et demi encore en arrière du coyote. La première shot, il s'est levé, il a fini par nous entendre, ou s'est levé bien tranquillement, il s'est assis. La première shot a manqué, on a un bon petit vent qui s'est levé, fait que la première shot a passé à côté. Il est parti sans comprendre ce qui s'est passé, avec le muzzle brake, il savait pas d'où que le son venait. J'ai lâché 2-3 petits barres, puis il a arrêté parfaitement de côté. Je sais pas si on le voit à caméra, mais quand il arrête de côté, les deux gonds tirent en même temps, puis ça s'est couché. Fait que, on s'en va voir ça. Ah ouais? Il est mort d'abord. 20 janvier, premier vrai gros frais de la saison, première semaine qu'on a de la neige. Martin il était venu il y a 2 semaines. Il n'y avait pas un grain de neige, on chassait sur le labour. On avait vu 3, plus 2 qui ont crié après. On n'avait pas réussi à closer le deal. Un matin, on s'est réessayé au même spot. Il y a de la piste fraîche, on n'a pas eu d'action. En s'en allant à notre deuxième spot, on en a spoté un. On a le temps de s'installer, puis ça, il s'est mis à se déplacer. On l'a contourné à deux, Dédé est parti de son bord, nous autres de notre bord. On a réussi à avoir une shot dessus, on l'a vu une fois à 250 verges. Pas eu le temps de se placer. Dédé a eu une shot à la course, il l'a essayé, mais il commençait à être loin. On a fait un troisième spot au cal, pas eu d'action, bien de la piste, le vent a commencé à se lever. Quand on est rembarqué dans le truck, Paul m'avait appelé, il s'en allait ajouter ses carabines. Puis en passant ici, il a trouvé le coyote couché en plein milieu du champ. C'est la saison des amours qui commence, fait que les coyotes commencent à se tenir bien plus dans les aires ouvertes. Il était endormi bien dur, on a pogné la permission, on a avancé dessus jusqu'à 180 pieds de verge. Puis il s'est levé par pur hasard pendant qu'on était installé. La première shot, on s'en passait à côté. Il a fait 50 verges peut-être, 2-3 petits barks, il a arrêté de côté, big bang, les deux ont tiré en même temps. Donc, un autre coyote de récolté, puis matin de mois de janvier, quand il fait gros fret, pas de vent, c'est sûr que le coyote bouge et là c'est le temps de sortir. Qu'on vous en souhaite une bonne gang.